Bonjour, Thomas Erali, chercheur en économie de l'environnement aux facultés universitaires Saint-Louis. J'ai 25 ans et je suis chez Ecologie depuis janvier 2007. Ça fait donc un peu plus de 2 ans maintenant que je participe à diverses actions menées par Ecologie. Donc, la conférence de Copenhague, ce sera une conférence mondiale qui rassemblera 15 000 personnes. Et lors de cette conférence, on va parler de divers points, avec comme objectif final, bien entendu, de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Trois choses très importantes lors de la conférence de Copenhague. Premièrement, on va discuter du financement de la lutte contre les changements climatiques. Ça veut dire que les pays développés vont devoir financer, aider les pays en développement dans leur lutte contre les changements climatiques. Deuxièmement, on va avoir un point important, ce sont les objectifs que chaque pays va se fixer pour lutter contre les changements climatiques. Donc, est-ce que ce sera 20%, 30% ou 40% des émissions de CO2 pour 2020? Et alors, troisièmement, on va aussi discuter des mécanismes de flexibilité. Les mécanismes de flexibilité, ce sont des mécanismes qui permettent d'améliorer le coût-efficacité de la lutte contre les changements climatiques. En d'autres termes, ça veut dire des mécanismes qui permettent d'aller plus vite, plus loin, pour moins cher. Donc, on va discuter de ça à Copenhague. Et l'objectif, en fait, c'est d'avoir un processus qui lance la lutte contre les changements climatiques à partir de 2013. Donc, le processus de Kyoto se finit le 31 décembre 2012. Et donc, pour Copenhague, on va discuter de ce qu'on fait en 2013. Donc, moi, je pars avec le Conseil de la jeunesse de la communauté française. On part en train le 4 décembre. Et je reviens le 20 décembre. La position du Conseil de la jeunesse est globalement la même que la position d'écologie, à savoir des objectifs ambitieux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. On voit que pour 2050, on ambitionne une diminution de 95% des émissions de gaz à effet de serre, des objectifs intermédiaires tout aussi ambitieux, avec aux alentours de 40 à voire 45% de diminution des gaz à effet de serre pour 2020. Par ailleurs, on a aussi un plan strict par rapport à la déforestation, limiter au maximum la déforestation. Et puis, sinon, on veut aussi un maintien du protocole de Kyoto, ou en tout cas un protocole de Kyoto en plus, un protocole de Kyoto plus ambitieux. Enfin, on insiste énormément aussi sur la protection des pays qui sont les plus menacés par le réchauffement climatique. C'est un moment important dans l'histoire de la lutte contre les changements climatiques et que j'estime qu'en tant que jeune, j'avais et nous avons notre place à cette conférence, puisque ce sont nous, les jeunes, qui allons devoir lutter contre les changements climatiques dans les années à venir. J'ai d'abord une tâche principale, ce sera d'assister aux réunions de délégation belge qui auront lieu tous les jours à 7 h 15 du matin. Et là, j'aurai un rôle consultatif, c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, je peux intervenir ou mettre un point sur la table que je souhaite être débattu. Et j'insisterai sur les positions qu'a le Conseil de la jeunesse par rapport à tout ce qui se dira lors de ces réunions. Donc, on est toujours très pessimiste quand on parle de Copenhague, en disant que chacun reste sur ses positions et que personne ne va faire d'efforts. Moi, au contraire, je pense qu'on peut être optimiste et qu'on peut arriver à un accord pour la simple et bonne raison que j'ai l'impression que chaque pays prend conscience de l'urgence de réagir par rapport au changement climatique. Et donc, j'ai vraiment l'impression que les pays vont faire des efforts pour arriver à un accord ambitieux et qui permette de lutter plus efficacement contre le changement climatique.